Salut la Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à sauver vos yeux. Aujourd'hui, on le remarque autour de nous, on a de plus en plus de personnes qui portent des lunettes jeunes. Et ça, c'est dû principalement à une chose, c'est qu'on travaille de plus en plus sur l'ordinateur. On fige notre regard sur un ordinateur qui est proche de nous et ça, automatiquement, ne pas faire travailler ses yeux sur les côtés, en hauteur, enfin de manière globale, eh bien, ça nous oblige à porter des lunettes, des lentilles ou ce que vous voulez, ça nous oblige à corriger notre vue. Moi, le premier, en gros malade sur l'informatique tout le temps, eh ben, j'ai une paire de lunettes. Alors bien sûr, c'est des lunettes qui vont être juste des lunettes de repos, hein. C'est pas forcément des lunettes de vue, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je m'en suis fait faire pour pouvoir travailler sur l'ordinateur sans me fatiguer les yeux. Sauf que c'est pas forcément la meilleure technique. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça me va bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner une technique super simple à faire tous les jours pour justement ne pas avoir à porter de lunettes. Ciao bambino! Évidemment, cette technique ne va pas corriger des gros troubles de la vision, comme la myopie ou ce genre de choses, hein, mais ça va aider toutes les personnes qui commencent à avoir la vue qui baisse alors qu'elles ne devraient pas, et ça va dans tous les cas renforcer votre vision, quel que soit votre trouble. Sans plus attendre, je vous donne cette technique super simple, il va simplement s'agir de faire travailler les muscles de vos yeux. C'est justement parce que les muscles qui sont dans vos yeux, qui permettent à vos yeux de bouger, ne sont pas assez sollicités, que vous perdez en vision. Voilà donc quelques exercices que je vais vous commenter en même temps et que vous allez devoir reproduire chaque jour pour pouvoir protéger vos yeux et conserver une bonne vision. Le premier exercice, ça va être tout simplement d'aller de haut en bas avec vos yeux. Et vous allez vraiment chercher à aller tout en haut et tout en bas jusqu'à ce que ça fasse une sensation bizarre dans vos yeux, presque comme si la sensation remontait dans votre cerveau. C'est tout à fait normal, c'est que vous sollicitez des muscles que vous n'avez pas l'habitude de solliciter. Donc vous allez tout simplement faire en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, et ainsi de suite. Et vous allez donc chercher bien à solliciter bien les muscles de vos yeux. Vous n'allez pas bouger la tête en même temps. Hein? Là, ça ne sert à rien. Le regard, il ne bouge pas, il n'y a que la tête qui bouge et c'est pas terrible. Deuxième exercice maintenant, ça va être de faire la même chose, mais latéralement. On va chercher à droite, à gauche. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Voilà, tout simplement. Vous répétez cet exercice-là, vous faites plusieurs fois dans la journée si vous avez besoin, hein. Vous le répétez et ça va vous permettre de conserver une meilleure vision. Troisième exercice, on va changer les angles. On va essayer d'aller chercher les diagonales. Donc, on va chercher diagonale en haut à droite, en bas à gauche, en haut à gauche, en bas à droite. Hop. Hop, hop, hop. Et là, vous allez avoir sollicité donc maintenant les diagonales. Enfin, pour terminer, quatrième et dernier exercice, on va faire des ronds avec les yeux dans un sens et puis dans l'autre. Donc tout simplement pour partir tout en bas, tout à gauche, tout en haut, tout à droite. Et on fait des tours. Jusqu'à ce qu'on sente que les muscles sont bien sollicités. Et hop, on part dans l'autre sens. Alors au début, ça peut donner un petit peu mal au crâne, c'est normal, hein, parce que vous allez être un peu désorienté. Votre regard vous permet bien sûr de garder l'équilibre, donc forcément ça va jouer. Mais c'est tout à fait normal. Vous reproduisez ces quatre exercices régulièrement, plusieurs fois dans la journée si vous le souhaitez. Vous prenez au moins 5 minutes par jour pour le faire et vous allez voir que si jamais vous avez des petits problèmes de vision, vous sentez que votre vision commence à baisser, et bien très rapidement, vous allez avoir des résultats. C'est ce que je fais maintenant quotidiennement et je n'ai plus besoin de ces petites merdes. Voilà, la Good Family, c'est aussi simple que ça. Je vous invite à reproduire vraiment cet exercice dans votre quotidien. Même si vous n'avez pas de trouble de la vision, c'est pas grave. Il faut solliciter ces muscles des yeux qu'on a trop tendance à laisser figer dans une seule et même direction à cause de l'ordinateur, de la télévision, de tout ce que vous voulez. Donc vraiment, faites-le régulièrement. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, gros pouce bleu en bas, partagez autour de vous à tous ceux qui ont des lunettes ou qui n'en ont pas ou que vous sentez qu'ils vont bientôt avoir des problèmes de vision, ce que vous voulez, partagez autour
autour de vous. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en dessous en cliquant sur le gros bouton rouge. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez dans la description. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good.